J'étais un petit peu en quête de recherche, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vivais des émotions. Des fois, parfois, on a des événements difficiles qui sont dans nos vies. Puis je voulais vraiment aller au cœur et au profond de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je vivais ça. Donc, je voulais trouver des réponses aussi à ces questionnements-là que j'avais vraiment à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment pour plonger à l'intérieur de moi-même que j'ai décidé de participer à ce stage-là. Voilà, on a plusieurs réponses. Ça va super bien. On est dans un endroit magnifique ici. Les professeurs, ils ont tous, les conférenciers et conférencières, ils ont tous des sujets très intéressants, différents, mais qui sont vraiment connectés à la fois. Puis on peut parler puis approfondir différents sujets. Puis ça nous touche tous à différents degrés. Mais on reçoit des réponses vraiment à qu'est-ce qu'on vit profondément. Puis on se rend compte aussi avec les autres, puis avec les conférences, qu'on n'est pas tout seul à vivre ça non plus. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Donc ça aussi, c'est une partie des réponses là qu'on peut venir chercher là, avec un stage comme ça. Il y a plusieurs moments qui m'ont particulièrement touchée. Les conférenciers et conférencières, ils partagent des faits vécus, des faits réels, des faits d'actualité aussi. Puis on approfondit ça réellement, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça s'est passé. On a une compréhension très profonde. Puis ça, c'est très touchant. C'est vraiment d'actualité, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés actuellement. Pourquoi moi je ressens ça? Ben, des fois, la conférence vient, puis l'événement vient nous donner une compréhension sur un peu cet événement-là, pourquoi ça me fait vivre ça. Pourquoi c'est intense? Pourquoi je pense à ça encore 3 jours, malgré 3 jours plus tard? Donc, des fois, c'est 1 an, 2 ans, on pense encore à ça. Puis c'est ça qui m'a vraiment touchée. On partage des faits d'actualité, des faits réels, concrets,